Salut. C'est suffisamment grand pour me planquer ce truc. Vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui on va parler outils. Les outils que je vais me servir au quotidien parce que je vais passer professionnel au courant de l'année prochaine, donc ça va être à temps plein. Parce que du coup, sur l'année 2020, avec le Covid, vous avez vu que ça a été assez compliqué. Du coup, j'ai géré mon emploi dans une entreprise, plus celui-ci. Mon ancien emploi dans l'entreprise s'est achevé comme il faut, donc ça c'est super. On va pouvoir passer à temps plein dans l'atelier. Et puis j'ai pris une bonne résolution, je vais essayer d'arrêter de dire des dans tous les sens, parce que quand je regarde mes vidéos, j'en dis vraiment beaucoup, ça fait même un peu trop, donc je vais essayer vraiment de corriger ça. A noter, très important, que ce n'est pas sponsorisé. Pour l'instant, il n'y a aucune sponsorisation sur mes vidéos. Je ne suis pas du tout affilié à Makita pour ce genre de vidéos. Pour moi, je vous présente mon totem. Je ne sais pas s'il est vert ou bleu, donc je vais dire vert bleu fait Makita. Pour d'autres, ça va être le Dewalt, le jaune. Pour d'autres, ça va être le Festool, le blanc et le vert. Pour d'autres, ça va être le Bosch bleu ou vert. Enfin voilà, j'en passe. Et voilà, j'ai pas encore les moyens d'avoir du Festool. Et puis Makita, ça me va suffisamment pour ce que j'ai à faire. Ça reste de super qualité, c'est de bons outils, c'est robuste. A noter que cette petite visseuse, ça fait plus d'un an que je l'ai, je lui en ai mis plein sa poire, elle a percé dans tous les sens, vissé dans tous les sens, alors c'est juste une visseuse. Et elle tient encore très très bien le choc. Alors, par quoi commencer? Ah, mon plus ancien. La DF333D, donc c'est une visseuse à batterie 12 volts, donc c'est les petites batteries de chez Makita. Non, ils en font encore encore plus petites. Donc des toutes fines qui se sur les visseuses beaucoup plus petites. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être m'en acheter une un jour pour repasser dans les meubles, etc. Celle-là est un tout petit peu trop grosse, donc je pense que ça pourrait être utile de l'avoir. Donc ça marche bien. A noter que ça peut faire un petit peu perceuse pour du placo, pour du bois, ça y va bien, mais faut pas trop lui en demander non plus. Pour du béton, faut oublier, il n'y a pas l'option percussion dessus. Hein. Pour visser dans du bois tendre, du pin, du sapin, tous les petits résineux, ça y va super bien. L'aggloméré, tous les bois dérivés, c'est nickel. En revanche, pour le gros bois massif du style Le Chêne, pour foutre de la grosse vis dedans, c'est un peu juste. On passe sur la gamme au-dessus. Celle-là, ça envoie vraiment du pâté. La 4A 18V pour les batteries. Donc à l'achat, ça coûte un peu cher les batteries et le chargeur. Mais à noter que vous avez accès à une énorme 240 outils, je crois, c'est une gamme monstrueuse, avec une batterie, vous pouvez vous servir de centaines d'outils. C'est vraiment super pratique, ça se charge très vite et puis avec une super durée de vie. Vous avez un petit voyant pour vous indiquer la puissance qui vous reste. Donc c'est la clé à choc DT152. Vous pouvez retrouver ça dans un autre film, j'ai démonté une boîte à vitesse avec ça. Donc par habitude, j'ai commencé avec les bonnes clés à l'ancienne pendant une demi-heure et je me suis souvenu que j'avais cet outil parce que quand on a un nouvel outil dans l'atelier, ben, il faut l'apprivoiser, il faut se dire « Ah, c'est vrai que j'ai ça, donc je vais pouvoir l'utiliser ». Donc je m'en suis servi et puis alors la clé à choc, j'ai démonté je crois une vingtaine de boulons en quelques minutes, ça a été la folie. Ça marche très 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 fort. Ensuite, la scie sauteuse. Alors celle-là, c'est la 4351 FCT. Donc elle m'a réconcilié véritablement avec les scies sauteuses qui sautent dans tous les sens, que le guide c'est de la merdasse, ça arrache dans tous les sens. Et ben celle-là, pas du tout. Le guide est vraiment robuste, on a une sensation de solidité qui ne peut pas trop bouger. J'utilise personnellement des lames de précision en général quand je fais du tout le temps, d'ailleurs même j'utilise tout le temps des lames de précision. Et ce qui me plaisait dans ce modèle-là, c'est qu'il y a le régulateur de vitesse ici. Donc plus vous mettez vite et plus ça va vite, par contre ça fait un travail un peu de moins bonne qualité. Donc moi je mets à 3 quarts puissance en général selon ce que j'ai à couper et ça fait quasiment pas d'arrachement. Ensuite on passe à la lameuse, la biscuiteuse comme vous voulez. C'est la PJ7000. Donc ça fait un petit moment que je l'ai aussi, j'ai fait quelques plateaux avec, c'est très précis. A noter qu'on peut faire de 0 à 90 degrés au niveau des petites réunions, on va appeler ça comme ça. Ici le guide de hauteur, donc ça utilise des petits biscuits comme ceci qui vont renforcer le collage sur des plateaux ou autres, mais faut pas non plus que ça fait pas office de tenon mortaise. Hein. Et je sais pas si j'ai pas regardé, je me suis pas renseigné par rapport à ça. C'est une lame, la lame d'origine, donc ça utilise des biscuits numéro 20. Il existe des biscuits plus petits que cela. Je suppose qu'il existe des lames, on peut changer les lames pour mettre des lames plus petites. Ensuite, on va parler de l'outil de sauvetage, la multitool. De sauvetage, pourquoi? Parce que c'est un truc, quand tu es en chantier ou quand tu as un truc, tu as un meuble déjà fait ou autre, faut que tu coupes une petite partie, ça, il n'y a que ça quasiment qui arrive avec la vibration à couper où il faut, tu peux passer un peu partout. Donc celle-là, c'est la TM301-0C. Tu peux mettre je sais pas combien d'accessoires là-dessus. Je vous retourne vers CMT pour les lames, parce que je trouve que c'est les meilleurs en termes de lames.
Il existe des lames pour tous les matériaux, pour quasiment tout type de bois, pour quasiment tout type de travaux. Ensuite, mon outil principal, celui que je me sers, mais absolument tous les jours, je dirais 10 fois par jour, la disqueuse. Je m'en sers pour tout un tas de raisons, pour décaper, couper, meuler, enfin voilà. Une disqueuse. Donc c'est la GA5030R, c'est la 720 volts. À noter qu'il en existe des moins chères que celle-ci, mais qui sont moins puissantes. Donc j'ai préféré prendre, je ne sais pas si c'est la plus puissante, mais il me semble. Après, je compte prendre aussi celle Eclipse pour les disques, ça c'est super pratique. Et le gros modèle aussi, parce que des fois j'ai des grosses coupes à faire et celle-là, la 125, elle est un peu juste. Ensuite, le plat de résistance. La scie circulaire Makita HS760. Donc c'est une scie circulaire, c'est un disque de 190. Il en existe tout un tas selon ce que vous avez besoin. Celle-ci peut faire du 45 degrés. Vous noterez que le disque est orange, donc c'est CMT Orange Tool. Pour moi, ça restera les meilleurs en termes d'efficacité de lame. J'ai mis le prix dans la lame, mine de rien. Ça coûte un peu cher, en revanche la qualité elle est là. Donc c'est une lame spéciale pour faire du fil en diagonale, contre-fil, enfin tout ce que vous voulez, pour du massif, et ça n'arrache pas du tout, c'est vraiment un truc de fou. Je l'ai essayé sur pas mal de coupes, sur pas mal de bois, et après la coupe tu passes juste un coup de papier à poncer et ton bois il est nickel. Ensuite la petite ponceuse Makita, celle-ci c'est la 1275-11A. Donc celle-ci j'en avais entendu beaucoup de bien, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ceci. Ça marche très très bien. C'est pas une ponceuse pour tout défoncer, tout arracher, c'est une ponceuse pour faire des jolies finitions. Je trouve qu'elle fait très très bien son boulot. Elle va de 1 jusqu'à 5 vitesses. Moi en général, je suis plutôt aux alentours des 4. Après, rien d'extraordinaire, c'est une ponceuse, elle fait très bien son boulot. Pour moi, j'ai jamais eu de problème avec depuis. Et en plus, à noter que je l'ai acheté d'occasion, donc c'est vraiment très très robuste. Et enfin, pour terminer le dessert, la meilleure partie, la RP1800F. C'est que dire sur cet outil, c'est vraiment un truc de fou. Après, je suis pas encore expert dans la défonce. Néanmoins, j'en ai fait pas mal avec des fraises CMT. Encore, vous reconnaissez la couleur orange. C'est toujours irréprochable, ça a toujours une super durée de vie. C'est une fraise à copier. Et j'ai des gauchis à la défonceuse de plateau de noyer. Et il y en avait à enlever. Et la fraise, elle est encore nickel. C'est puissant, c'est robuste, c'est précis. Il y a plusieurs guides avec. On peut adapter tout ce qu'on veut sur une défonceuse. L'espèce de tige filetée régulatrice ici, ça, c'est super précis, ça fait très très bien son boulot. On peut enlever des morceaux de millimètres comme on veut, donc ça c'est super. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de chez Makita. À part la scie anglée là-bas, on va en parler vite fait. Que dire, j'ai déjà réservé un film sur tout entier sur cette machine. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai noté juste un point, un petit hic sur la machine. Il y a des clips au niveau des angles à ce niveau-là. Et en fait, il y a un tout petit jeu. Vous pouvez le voir ici, voilà, il y a un tout petit jeu en fait quand tu viens caler, des fois ça crée des dérives au niveau quand tu fais des coupes longues, quand tu fais des coupes courtes, tu le vois pas, ça y va super. Quand tu viens commencer à faire des coupes super longues sur des panneaux ou autres, il y a des fois un millimètre ou deux de dérive entre là et le bout. Donc voilà, ça c'est le seul petit point négatif, mais c'est un des petits modèles de chez Makita au niveau des scies radiales, faut pas trop en demander non plus. Ensuite, une petite dremel, ça tout le monde connaît je suppose. Donc mille et un usage, on peut adapter des centaines, je sais pas, peut-être même des milliers d'outils dessus. Donc voilà, ça c'est un outil qui va bien quand tu veux faire des petits trucs de précision. Tu peux faire tout et n'importe quoi avec, donc c'est un outil, moi je dirais, indispensable pour tout type d'atelier. Ma vieille ponceuse Bosch, celle que j'ai pas trop peur d'abîmer quand je fais des chantiers à la maison pour du placo, pour des trucs où j'y vais vraiment comme un bourrin. J'ai pas envie d'abîmer ma Makita à faire des gros travaux comme ça. Donc celle-là, ça y va très bien, c'est la Bosch Intensive. Ça marche très très bien. Ensuite, la ponceuse à bande de chez Bosch, la Bosch verte. C'est un de mes premiers outils aussi également quand j'ai commencé. Il a bien fallu commencer quelque part, j'avais pas les moyens d'acheter de la grosse marque ou autre du Makita, même si Bosch reste quand même de la grosse marque. Mais bon, c'est le Bosch particulier pour moi. Donc ça fait quand même bien son boulot, elle manque cruellement de puissance, la bande est un peu courte aussi à mon goût. Néanmoins, c'est un outil que je vais quand même conserver dans l'atelier parce que je la coincerai sur un bout d'établi quand ça sera finalisé et elle me servira de ponceuse stationnaire. Ensuite, j'ai un niveau laser, je ne sais pas quelle marque c'est. En tout cas, il fait quand même son boulot. Il est à mon père celui-ci, donc je lui rendrai dès que j'aurai les moyens d'en acheter un autre. Je le trouve un petit peu imprécis, il a que deux bulles de réglage. Je préfère quand tu as un niveau à trois bulles, au moins tu es sûr que tu es bon. Au-delà de ça, il fait très bien son boulot, il m'a déjà sauvé la mise plusieurs fois et je m'en sers régulièrement quand je fais des gas bars, je fais des tracés au niveau laser pour que je passe un truc rond.
pour faire des coupes vraiment propres. Le poste à souder est Easywell. Donc c'est un poste français, c'est leur dernière gamme, c'est le Pro MIG 200. A noter que sur ce poste là, on peut faire du MMA, du TIG et du MIG MAG. Donc c'est quand même relativement complet. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout eu à m'en plaindre, au contraire. Néanmoins, je travaille avec le fil forêt et je trouve que ça gratonne beaucoup. C'est normal, c'est le fil forêt. Peut-être qu'un jour, si je veux vraiment de la soudure de très haut de gamme, je passerai au gaz. Et puis alors, le meilleur coin de l'atelier, c'est celui-là. À la vôtre. Ensuite, l'étau de forge. Donc c'est très robuste, c'est costaud, tout ce que vous voulez. En revanche, il va falloir que je mette un tube au fond du pied avec une plaque en fer que je vais fixer au sol avec des chevilles. Parce que quand tu serres trop fort ou enfin, il y a besoin de serrer fort, de cogner fort dessus, bah, le pied bouge et ça va pas. Donc du coup, je vais fixer le pied définitivement au sol. Comme ça, il pourra plus bouger. Évidemment, pour tout bon menuisier, tout bon ferronnier, tout ce que vous voulez, les serre-joints, ça serre toujours. Du coup, j'utilise la marque Rivex. Ça, c'est très costaud, ça coûte un petit peu cher. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, ils font très bien leur boulot. À noter, je mets juste un petit point. Donc, c'est des serre-joints à pompe. La pompe, elle est plutôt puissante. C'est-à-dire que si tu serres trop fort, eh ben, le bout ici, comme il n'a pas de protection en plastique, ça marque très facilement le bois. Et donc, vu que je suis tout seul, je me suis bricolé des petites cales en bois massif pour pouvoir les poser sur les panneaux ou les plateaux ou un petit peu tout ce que j'ai à serrer sans, pour ne pas abîmer le bois. Et du coup, avec ça, ça y va super bien. Et puis les serre-joints, comme on n'en a jamais assez, donc là, bah, du coup, ça va s'étoffer un petit peu sur le mur. Je vais en rajouter pas mal avec le temps. Notamment la marque Rivex, ils en font des plus petits, des en bois, des avec protection en plastique. Enfin, ils en font toute une ribambelle, donc il y a de quoi se faire plaisir. Donc ça va venir petit à petit, mais bon, ça a quand même un coût, donc voilà. Tant qu'on est sur les serre-joints, les petits serre-joints de chez Festool qui fonctionnent du feu de Dieu, ça marche super bien. Ça se clipse très très bien dans les trous de l'étau. Voilà. Et puis là, tu peux y aller, c'est nickel. Mon étau que j'ai restauré qui était complètement rouge, donc je l'ai démonté entièrement et je lui ai remis un petit coup de neuf, donc il va quand même un peu mieux comme ça. Ensuite, dans les caisses Magusson, tout ce qu'il faut pour poncer avec des grains différents. D'ailleurs, la caisse commence à être un petit peu juste, donc je vais m'en acheter sûrement une deuxième. Ensuite, la grosse caisse de chez Magusson, ça c'est tout mon matériel de disqueuse. Et je me suis bricolé un petit outil qui va peut-être vous intéresser. Si vous avez une vieille tête de perceuse, de visseuse ou autre, vous soudez un boulon à l'arrière de la taille d'un boulon de disqueuse. Et vous pouvez le visser par-dessus et lui agripper justement des petites têtes à poils de fer comme celle-ci. Donc il en existe des tas. Parce que je trouve que ces petites têtes à poils de fer à mettre sur visseuse, je trouve que ça tourne vraiment, vraiment pas assez vite. Du coup, ça décape vraiment pas grand-chose. Donc sur une disqueuse qui va beaucoup plus vite, ça décape beaucoup mieux. Donc ça, c'est la petite astuce qui va bien. J'espère que vous viendrez nombreux, que vous partagerez, que vous aimerez le contenu que j'aurai à vous proposer. J'ai envie vraiment de vous proposer un contenu de qualité. Vous faire des vidéos divertissantes ou des vidéos où vous pourrez aussi également apprendre. Même si moi j'apprends vraiment tous les jours, je ne suis pas ébéniste ni menuisier, donc j'apprends tous les jours. Chaque réalisation, chaque projet a son lot de difficultés, de défis, de réflexions à apporter. Je me débrouille comme je peux. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous viendrez nombreux l'année prochaine. En tout cas, merci à ceux qui me suivent sur mon groupe Facebook et les premiers abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, c'est vraiment le petit coup de pouce pour la chaîne, à liker si vous avez aimé la vidéo. Et du coup, je vous laisse sur ceci. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Passez d'excellentes fêtes de Noël. À l'année prochaine. Chou! Bon, ben maintenant, il faut que je range tout le bazar. Hein.